Vivez au cœur du handball français avec Lidl. À toutes et à tous, bienvenue à Créteil, bienvenue au Palais des Sports Robert Aubron pour cette 8e journée de Lidl Star League, fin de cette 8e journée de Lidl Star League. Les 3 derniers matchs ont lieu aujourd'hui avec ce match, ce choc quelque part entre deux équipes qui ont besoin de points, match entre concurrents directs déclarés pour le maintien avec cette rencontre à huis clos. Évidemment, vous le savez, on est très triste de cette situation, mais on est ravis quand même d'essayer de garder le lien avec vous, tous les fans, tous les mordus de handball, les supporters des deux clubs et puis tous les autres. On vous salue, on est ravis de vous accueillir et de vous voir au moins dans ces conditions vous proposer cette rencontre. Les Istréens qui ont rallié la capitale hier en TGV, bah, eux aussi ont eu parmi les nombreux soucis. On joue à huis clos bien sûr, TGV annulé, ils sont arrivés un petit peu en retard par le train suivant. Deuxième déplacement d'ailleurs de la semaine pour les Istréens qui eux ont repris après la coupure de quasiment 4 semaines, presque un mois pour la plupart des équipes. Les Istréens qui ont repris cette semaine avec un match à Nîmes, court déplacement et défaite. Petit coup d'œil au classement de cette Lidl Star League, toujours un vivez au cœur du handball hein, avec évidemment Lidl. Les nombreuses équipes. Paris a fait le boulot encore cette semaine, même si ça a été compliqué hier contre Nîmes. 8 matchs, 8 victoires pour les Parisiens qui sont qui font carton plein tout simplement dans ce championnat. Voilà pour les deux équipes. Et puis vous l'avez peut-être vu dans la deuxième partie du classement, Créteil est 12e, Istres 13e. Les deux équipes ont le même nombre de points, 4 points de part et d'autre, mais Créteil a joué 4 matchs, 5 pour Istres, alors que voilà les Cristoliens qui à leur tour font leur entrée sur le terrain du Palais des Sports. Eux par contre, comme dit de cette J8, Aix-Dunkerque a été reporté dans un peu plus d'une heure sur Bean, chez les copains de Bean. Chambéry, Nantes clôturera cette 8e journée. Et puis en parallèle de ce Créteil-Istres, Tremblay, Saint-Raph. Hier, Chartres a repris le goût de la victoire. Victoire contre Ivry. Limoges a dominé Toulouse. Montpellier a concédé le nul à domicile contre Cesson-Rennes. Et Paris donc s'est imposé, mais dans la difficulté, après avoir été mené à Nîmes. Victoire des Parisiens de 4 buts, 31-27. Paris qui avait déjà été malmené en région parisienne, pas très loin d'ici. Du côté de Tremblay, mercredi, vous aviez peut-être suivi ce match avec nous, Tremblay qui avait même mené devant Paris en début de deuxième mi-temps avant de concéder une courte défaite de 3 buts. Un coup d'œil aux effectifs des deux côtés, match important entre deux équipes qui ont besoin de points. Il faudra répondre présent, mais avec des absents des deux côtés. Vous le voyez côté cristolien, 4 forfaits. Javier Borragan, l'Espagnol, est forfait, tout comme le pivot Geoffroy Carabas, touché au doigt. Oussama Hosni fera également défaut et Emric Anzouini aussi ne sera pas là pour compléter à droite. Du coup, on comptera sur les cadres un petit peu de l'équipe qui devront faire un petit peu plus côté Créteil. Et puis il y a quelques jeunes du centre, Loïc Diarasouba notamment, Samuel Dean qui viendront apporter eux aussi peut-être du temps de jeu et des solutions à leur coach. Voilà pour les Cristoliens emmenés comme d'habitude par leur binôme habituel au but. Et puis côté Istres, chez les visiteurs, là aussi il y a des pépins et des absents, deux absents principaux du côté istréen. Oussama Hosni qui était déjà absent à Nîmes, André Guillaume reculera peut-être à nouveau à l'arrière. Et puis absent mais de longue date lui, Nicolas Boski qui est toujours blessé, qui n'a pas encore joué cette saison. Et là aussi du coup effectif un petit peu amoindri côté istréen avec vous le voyez 14 joueurs du coup sur la feuille. Et puis Arnaud Tabaran et Clément Godin évidemment au but. On suivra évidemment les prestations de ces deux équipes. Istres comme dit a joué à Nîmes ce mercredi, a été plutôt dans le coup avant de voir assez rapidement les Nîmois prendre le large. Mais malgré tout dans ces matchs, peut-être qu'un peu comme Tremblay contre Paris, le match à gagner cette semaine c'est celui de cet après-midi contre un concurrent direct pour le maintien. On va démarrer dans quelques instants cette rencontre. Vous avez peut-être suivi l'avant-match dans tous les clubs essayent de garder un petit peu le lien avec leurs supporters, avec vous, avec les passionnés, avec leurs abonnés, avec leurs partenaires également. Il y avait un avant-match très sympa sur le Facebook, sur le réseau de l'US Créteil. Il y aura après cette rencontre aussi un après-match avec des interviews et des réactions et des débriefs, notamment avec des joueurs des deux équipes, pas que côté cristolien. C'est promis, vous pourrez peut-être basculer à la fin de cette rencontre sur le Facebook de l'US Créteil. Les Istréens autour de leur pivot, notamment Andrea Parisini, qui viennent chercher quelque chose en région parisienne ce dimanche après-midi.
Et Créteil, évidemment, là aussi, besoin de victoire. Istres qui a plutôt bien voyagé hein, jusqu'à présent, malgré la défaite à Nîmes mercredi. Les Istriens ont cherché leurs deux victoires, des points à l'extérieur à chaque fois, 2 nuls. Le nul à Limoges, le promu qui tourne toujours très très bien. Et nul à Dunkerque également, c'était en J2, ça commence à remonter un petit peu, mais deux matchs nuls qui ont fait du bien. La victoire istrienne, c'était lors de la première journée contre Tremblay, 29 à 24. Une victoire, 2 nuls, 2 défaites, c'est le bilan des Istriens. 4 matchs seulement pour les Cristoliens, 2 matchs, 2 victoires, 0 nul, 2 défaites pour eux. Eh bien, malheur aux vaincus ce soir, parce que vous le savez, dans ce championnat si particulier, il faudra peut-être tous les points qui sont déjà pris, par définition, ne sont plus à prendre. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller jusqu'au bout. On l'espère, évidemment, dans ce championnat, mais évidemment, il est hors de question de se retrouver en position délicate en début de saison, donc remonter au classement espéré pour ces deux équipes actuellement 12e donc, et 13e du classement, et on démarre dans quelques instants. Allez, le coup d'envoi imminent, match qui sera arbitré par un duo international, hein. Stéphane Pichon et Laurent Reveré qui seront aux manettes, aux sifflets de cette rencontre. On va démarrer, ce sont les Istriens qui vont donner le coup d'envoi de cette partie, qui ont donc un deuxième déplacement, allez, un tout petit peu plus loin, hein, du côté de Nîmes. On est allé en bus l'autre jour parce que c'est à côté ou presque. Et un coup de TGV hier pour rallier la capitale. Et on aura par ici le pivot qui donne le coup d'envoi pour les Istriens de cette rencontre. On va avoir rapidement du coup quelles équipes ont été alignées par les coachs respectifs. Hichem Daoud, évidemment, ça c'est du classique sur l'aile gauche côté Istres, avec Risto Vujacic, également avec Guillaume Crépin à la main au poste de demi-centre. Et on fait tourner, allez, rapidement, essayer de se remettre dans le rythme, dans le bain. Ça vaudra surtout pour les Cristoliens, hein, qui n'ont pas joué depuis un bout de temps. Il faudra retrouver des automatismes. Et puis il y a toujours cette petite angoisse, hein, de quand on a peu joué, d'avoir de la casse. Hein. Il y a déjà assez suffisamment de blessés des deux côtés. Mais même s'il y a eu une grosse semaine de physique il y a quelques temps, pour essayer de refaire du jus, évidemment, les coupures comme ça, ça fait pas bon ménage avec le sport de haut niveau. Et la balle récupérée par les Cristoliens, une bonne défense. Et la relance avec Guinel Painter notamment. Enchaîné avec Johan Giblin. On fait tourner avec tout le monde, mettre un peu la main sur ce ballon. Ewan Kervadec. On a fait sortir évidemment Guinel Painter, qui est quand même plutôt assigné aux tâches défensives dans cette équipe. Et entrée de ce joueur à suivre, hein, comme à chaque fois, Boyba Sissoko. Produit 100% cristolien, le voilà, avec son brassard de capitaine, lui qui est formé, hein, au club, qui a toujours joué. Né à Créteil également. Petite pile électrique, capable de jouer, hein, au demi-centre bien sûr, mais aussi d'aller jusqu'à l'aile. Le voilà, Boyba Sissoko, il va falloir prendre un shoot. Les bras sont levés du côté des arbitres, la balle est perdue à son tour. Toujours pas de réalisation de part et d'autre. Les défenses pour l'instant ont pris le meilleur, relance rapide. Et le premier but de cette partie. Il est violet et istréen. Sifflet, c'est Johan Giblin qui est allé provoquer cette faute. Et les Cristoliens qui essaient de se remettre en ordre de marche avec la défense haute. Vous l'avez vu, la sortie de Lucas Roche sur Giblin qui essaie d'aller tout seul, qui peut libérer Sissoko. La solution au pivot, c'est bien fait avec Valentin Hamann qui ramène les deux équipes à hauteur. Hamann, Painter, ça c'est le côte à côte, les anciens Célestadiens, même si ça remonte un petit peu maintenant. Crépin face à Painter justement. Sanctionné, Hamann qui va pouvoir relancer. J'ai bien de très loin et le premier arrêt de cette partie. Et cette tentative à 9 mètres, un petit peu long, la bonne parade. Bien sorti ce ballon par Arnaud Tabaran. Allez, les Istriens qui essaient de remettre un petit peu de rythme en attaque. On a vu, hein, ces derniers temps des débuts de match, notamment chez les équipes qui reprenaient comme ça. Alors Istres a joué mercredi, hein, mais parfois un peu
un peu tranquille, un peu poussif. On cherche, on voit qu'on cherche à toucher le ballon, à se remettre un petit peu dedans. Et la belle réalisation là, bien fait. Signé Risto Vujačić, des nouvelles recrues de cette saison. La tentative lointaine qui performe, qui perfore les filets. Égalisation rapide de part et d'autre. On est à deux partout. Le score était inversé, vous avez corrigé de vous-même, mais c'est bien de partout. La défense de Guignel Pintor et des Cristoliens pour bloquer Andrea Parisini. L'Italien de retour de sélection, hein, où avec, il a joué la Norvège, notamment avec la sélection italienne pour les qualifs de l'Euro 2022 dans cette fenêtre internationale. C'est un pivot de Strasbourg, hein, en Pro League. Un coup de sifflet, défense sanctionnée en deux temps. Allez, on travaille sur la base arrière et la première parade de l'autre côté pour Dylan Soyer. Michael Robin dans les cages, les deux gardiens autour d'un bon match. Guillaume Crépin bien joué, qui redonne l'avantage aux Istréens. Alors, une petite inversion au score, hein, vous le voyez. Allez, Sissoko et les Cristoliens. Allez, Sissoko et Créteil qui essaye de donner un petit peu de vitesse, il y va tout seul. Passage, non, c'est une autre faute. On relance rapidement sur le côté. Allez, avec Istres qui essaye de redonner un petit peu de vitesse, de faire fructifier son avantage dans ce début de match. Il y a eu un coup de sifflet avant le tir. Ça ne sera pas validé, mais la balle va rester violette. Allez, Vujačić et les Istriens qui font un petit peu tourner. Ce sont eux qui mènent 3-2. Il y a une petite erreur dans le score. On est en train de vous corriger ça. Ce sont bien les visiteurs qui mènent d'un petit but pour l'instant. Et qui font tourner avec Guillaume Crépin, avec la sortie d'André Guillaume. Crépin à nouveau qui va y aller. La petite feinte de frappe toujours avec Vujačić. On trouve le Monténégrin. La belle solution pour Crépin qui gagne son duel en face, face à Dylan Soyer. Voilà un joli mouvement collectif pour les sudistes. Très, très beau mouvement pour redécaler le double décalage là, pour libérer complètement du coup le demi-centre istréen qui s'est retrouvé complètement seul face à Dylan Soyer. Et les Cristoliens qui sont menés de deux buts dans ce début de match. Allez, il faut recoller rapidement, pas laisser dans ce genre de match tout de suite un gros écart se faire en tout début de rencontre. Ne pas courir après le score, la nouvelle perte de balle, l'interception, la passe était mal assurée. Et face à Soyer, le duel gagné pour passer à plus 3 déjà. Duel gagné par Hicham Daoud. Grâce à après ce bon ballon récupéré en défense, mais plus que la balle récupérée, hein, c'est la passe qui était mauvaise avec une nouvelle attaque sanctionnée. Ça va pas fort du côté de Créteil dans ce début de match. Les Cristoliens qui sont à moins 3, menés déjà 5 buts à 2. Peut-être un petit peu le manque de rythme qui se fait sentir. En tout cas, Istres est beaucoup, beaucoup mieux rentré dans cette rencontre avec 5 buts marqués en 7 minutes déjà. Début de match parfaitement réussi par les visiteurs qui enfoncent le clou, qui ont gardé le même 6 pour l'instant, hein, sur le terrain. Avec l'entrée par contre de Vasco Sevaljevic. Et les Istriens qui font mouche à chaque fois, hein, qui systématiquement dominent cette défense francilienne. 6-2 plus 4 pour Istres. Valentin Hamann au pivot et la parade.
la passe de Sissoko et Aman qui vient buter sur Arnaud Tabaran. Rien de souris pour l'instant aux Cristoliens qui vont récupérer un jet de 7 mètres néanmoins sur cette action. Mais que c'est compliqué dans ce début de rencontre. Allez, Boy Bassissoko qui va s'en charger. Et la parade de Tabaran, décidément. Le gros début de match des Istriens et de leur défense. Et pour leur gardien, et avec leur gardien en plus cette fois-ci. Qui continue sur sa bonne lancée. Gros début de saison hein, d'Arnaud Tabaran. 5 matchs, 52 arrêts, 13 arrêts contre Limoges. Une valeur sûre de ce championnat, évidemment. Ça défend fort du côté de d'Istre. Alors, un petit coup de Serpieros pour nettoyer ça dans la zone là. Et les Cristoliens qui vont pouvoir remettre ce ballon en jeu et qu'il faut marquer. Hein. Sur cette possession là, il faut revenir pour ne pas laisser le doute s'installer trop longtemps. Ils sont déjà à moins 4. Allez, se rassurer en faisant tourner la balle, on trouve un peu de rythme, même si c'est compliqué pour l'instant. Robin Molinier en échec à son tour. La balle va rester blanche. Il fait partie des joueurs hein, sur qui on comptera aujourd'hui cet après-midi Robin Molinier parce qu'il va falloir alimenter la marque en plus hein, avec les nombreux absents. Les cadres dans ce genre de situation ont évidemment encore un peu plus de responsabilité que d'habitude. Il a été touché ce ballon. On va le remettre en jeu au coin. Arnaud Tabaran qui arrange sa défense efficace pour l'instant. Remise en jeu Sissoko avec Robin Molinier. Allez, temps mort déjà, hein, évidemment. Temps mort déjà posé par les Cristoliens parce que, évidemment, c'est compliqué ce début de match qui doit autant aux approximations de Créteil que la très bonne défense et à l'efficacité devant de cette équipe d'Istre. Pas embêté pour l'instant par son long déplacement et ses petites péripéties par ces deux matchs en 3 jours. Il faudra tenir physiquement aussi hein, après avoir joué à Nîmes mercredi soir, à peine 4 jours, deuxième déplacement pour eux dans la semaine, même si le premier n'était pas très loin, c'est vrai, où cette équipe d'Istre a tenu hein, jusqu'à la 20e minute grosso modo, mais il y avait quand même plus 5 pour les Nîmois à la pause, plus 8 finalement en écart maximum, 30 à 25 au final. Cadres ont répondu présent, hein, Torben Petersen, Thomas Caviglia notamment, Rasmus Nielsen, Andrea Parsini ont été les principaux buteurs. On comptera évidemment côté istrien sur le rapport ce soir encore. Allez, on va y retourner après le premier temps mort posé vite, j'allais dire trop vite, par rapport à ce qu'il espérait évidemment. Parce que les coachs, évidemment, quand vous posez un temps mort après moins de 10 minutes de jeu, c'est pas bon signe, c'est que ça a mal démarré. Lucas Roche au pivot pour les Istriens, qui vont essayer de serrer encore un petit peu plus la défense. Très efficace depuis le début de ce match, 2 buts seulement concédés en 10 minutes, et les bras levés du côté des arbitres, il va falloir faire vite côté Créteil. Il y a un nouveau ballon perdu. Oh, il va être rendu avec un peu de réussite, mais il va falloir tirer Robin Molinier avec... On va se donner un petit peu de temps quand même. Ligné de loin, serré de près par la défense. Ouais, ça manque un peu de fluidité dans les passes et puis surtout défense très haute, très agressive, très présente des Istriens pour l'instant. Ça fonctionne bien, Moligné, vous voyez, défendu très très haut et à nouveau un ballon gratté par les Istriens qui vont pouvoir envoyer au duel face à Soyer et une nouvelle fois le reste, le geste de dépit, un petit peu le coup de pied dans son poteau, mais oui. Parce que décidément, tout réussit aux Istriens dans ce début de match. Très très efficace. Ils font le job. Vasco Sevaljevic qui vient porter le score à 7 buts à 2. Avantage maximum évidemment. Plus 5 déjà pour les Istriens. Ils font un début de match quasiment parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire, rien à acheter. La bonne passe à l'aile, tout là-bas. Et le Tabaran encore incroyable ce début de match. Cette défense des Istriens. Impressionnant. Rien ne passe et un nouvel arrêt déjà pour Arnaud Tabaran.
on fire comme toute sa défense. Ça va gamberger, hein, ça va douter après ce. Quand en plus le tambour porte pas ses fruits, hein, l'attaque derrière a été bafouillée. Ils ont pris un contre derrière et une nouvelle attaque ratée. Comme quoi ça n'a pas d'effet immédiat. Ça c'est toujours aussi un petit coup sur la caboche. Et les Istriens peuvent faire tranquillement tourner maintenant avec Hichem Daoud, une solution au pivot avec Parisini. Serré de près. 2 minutes du coup contre Johan Giblin, me semble-t-il, qui était un des deux sur la prise sur le pivot italien, qui était à 4 sur 5 à Nîmes mercredi, plutôt une bonne sortie pour lui. Ça va pas arranger les affaires des Cristaluens, hein, qui vont se retrouver en infériorité numérique en plus pendant 2 minutes avec un jet de 7 mètres en plus pour Rasmus Nielsen, le Danois, préposé au pénalty côté Istres. Et le Danois en échec sur ce coup-ci. Allez, les Cristaluens qui doivent se remettre en confiance là, parce que ça ne décolle pas au tableau d'affichage. Il va falloir trouver des solutions. Allez, Soko qui s'est un petit peu décalé à gauche. Robin Molinier plus dans l'axe cette fois-ci, qui finit par trouver la faille après une trop longue période de disette où Créteil n'avait pas marqué. Robin Molinier avec l'énergie malgré la défense sur la gauche du gardien. Allez, lui Valentin Hamann, il faut que les Cristaluens là arrivent à enchaîner maintenant. Toujours 7 à 3 plus 4 pour Istres. Fait tourner, qui arrive à trouver un petit peu plus de vitesse peut-être. Crépin à l'aile là-bas, c'est bien fait tout ça malgré la sortie de Soyer. André Guillaume, la balle va rester cristolienne. Un des rares échecs au tir des Istriens dans ce début de partie. Allez, Boyba Sissoko et les Cristaluens trouvent un petit peu de vitesse. Ça fait défaut pour l'instant, hein. On a trouvé peu de solutions aux ailes, on a peu trouvé les pivots. Valentin Hamann notamment. Une tentative en solo pour Sissoko qui allait provoquer le 1 contre 1 face à Andrea Guillaume. Tout de suite la deuxième lame derrière, hein, ça se referme bien avec Risto Vujasic. Pardon. Allez, Molinier pour une essai de bisser qui a été pris dans la nasse entre Lucas Roche et Hichem Daoud. Petit choc là, ouais, tête contre tête. Vous voyez le Hichem Daoud qui se tient là. Il se tient le front, ça a cogné un petit peu. Allez, toujours 7 à 3, on approche du quart d'heure de jeu dans ce match. Et Créteil est derrière, Créteil a du mal à trouver des solutions, peut-être à l'aile cette fois-ci. Et Arnaud Tabaran, une fois de plus, impérial dans ce début de match qui met l'ailier cristolien en échec. Ouais, ça c'est bien fait, tout en finesse, le filou sur cette action bonifiée, hein. Ça c'est toujours... appréciable quand non seulement le gardien fait un arrêt, mais que derrière tout de suite très vite on arrive à enchaîner, à être efficace. Ça compte double ou presque. Et Istres reprend 5 buts d'avance, 8 à 3. Et Molinier qui insiste, qui trouve la faille au même endroit que tout à l'heure. Son entrée a fait du bien aux Cristaluens. Il faut arriver à enchaîner maintenant, parce que le score pour l'instant, l'écart est stabilisé autour de 4-5 buts.
Allez, on fait tourner un petit peu tranquillement côté Istres. Stajevic, les bras ne sont pas levés, c'était juste pour le sens du jeu. Tout va bien pour les visiteurs. Allez, avec Daoud qui fait le tour. Jasic avec son compatriote Sevaljevic, les deux Monténégrins de cette équipe d'Istres qui retrouve Jasic. Une nouvelle fois, l'attaque istréenne efficace. 9 buts déjà dans ce premier quart d'heure pour eux. Grâce à cette nouvelle réalisation de Risto Jasic, l'une des recrues de cette saison. Allez, ça tourne ça travaille sur la base arrière côté Créteil. Felipe Borges qui a fait l'essuie-glace, qui était à l'aile gauche. On va décaler, ou Sissoko est parti se décaler maintenant. Mais ouais, ça manque de vitesse, ça manque de fluidité. Et on va s'enferrer à chaque fois dans cette solide défense istréenne. La troisième du championnat, hein. C'est la troisième défense du championnat, cette équipe d'Istres, 25 buts encaissés par match. C'est plutôt l'attaque qui pêche, puisque alors on n'est qu'à quelques matchs, hein, ça, c'est des stats qui valent ce qu'elles valent. Mais Istres pour l'instant est la plus mauvaise attaque du championnat avec 24 buts marqués. Et ce soir c'est un peu... on peut dire ça marche des deux côtés. Hein. L'attaque est on fire et la défense elle est sur ses standards et même mieux. Et même mieux puisqu'on a passé le quart d'heure de jeu. Et que Istres n'a concédé que 4 buts dans ce début de match, où rien n'est fait, même si cet écart de 5 buts s'est quand même stabilisé depuis un petit bout de temps maintenant. Et que Créteil a toutes les peines du monde à trouver des solutions. Allez, peut-être se rassurer sur cette possession. Avec la défense très haute, vous le voyez, des Istriens qui n'hésitent pas à sortir sur le porteur du ballon. Sissoko toujours en chef d'orchestre et vous le voyez hein, Louis Roche, qui monte, qui n'hésite pas à sortir cette défense très très haute qui met la pression sur ces joueurs de Créteil en manque de confiance clairement dans ce début de match. Kervadec jusqu'à l'aile là-bas, ça a été compliqué, ouais, il a raté sa prise de balle. Felipe Borges, ça défend pas mal côté istréen, ça attaque pas bien non plus côté Créteil, hein. il y a toujours un peu des deux. Voilà, les deux conditions sont réunies. Et au final, ça fait que Istres est à l'aise dans ce début de match. 4 buts encaissés seulement, on approche quand même les 20 minutes de jeu maintenant, bientôt. Allez, un gros quart d'heure plutôt, on va dire. Il reste du temps, il n'y a pas complètement le feu. Pareil, Sinic s'est écarté, la défense haute aussi des Cristoliens qui essayent de perturber un petit peu la belle machine istrienne dans ce début de match. Une parade pour... Dylan Soyer, mais il y a eu un coup de sifflet auparavant. Sitch à nouveau, Daoud qui s'est écarté de son poste, ça tombe pas mal, ça permet de côté istréen et ça permet de trouver la faille une nouvelle fois. Grâce à Guillaume Crépin cette fois-ci, qui perfore la défense. Et il vient tromper Dylan Soyer sur sa droite. 10-4 plus 6, écart maximum pour les Istréens. Et la mine fermée, hein, vous le voyez, de Boyba Sissoko, le capitaine de Créteil. Que c'est compliqué ce début de match pour les Franciliens. Qui ont du mal en plus à s'appuyer, hein. Personne ne porte pour l'instant cette équipe. Il n'y a pas de joueur faire qui se tourner quand ça va mal, à l'image de cette nouvelle attaque et cette nouvelle balle perdue. Heureusement récupérée pour eux par les Cristoliens, même si elle va rester violette. Une nouvelle fois, beaucoup, beaucoup trop de déchets dans la construction offensive pour l'instant, pour espérer quoi que ce soit. Guillaume Crépin en chef d'orchestre, plutôt confiant hein, quand ça tourne aussi bien dans un début de match, forcément. Voilà de la confiance qui s'emmagasine chez les visiteurs. Jasic qui a failli provoquer l'interception, le ballon récupéré, Pintor, la petite passe pour Aman, le jeu rapide c'est plutôt mal fait pour Borges et la nouvelle parade de Tabaran
infranchissable ou presque ce soir, à part sur les deux tirs de Molinier, mais il doit être à 4 arrêts sur les 6 derniers tirs. Et la nouvelle récupération istréenne. Démonstration pour l'instant des sudistes, ultra efficace dans ces quasiment 20 premières minutes maintenant. Ils sont à plus 6, ils ont même une balle de plus 7 entre les mains. Peut-être que même dans leurs rêves les plus fous, peut-être pas quand même, mais début de match rêvé en tout cas pour les visiteurs. Évidemment ça va gamberger sur le, chez les coachs. C'est un calvaire hein, que vivent les Cristoliens dans ce début de match. C'est terriblement compliqué pour eux. Et Istres prend son temps. Istres a le temps de faire les choses tranquillement et bien, de chercher une nouvelle solution à l'aile peut-être avec Andrea Guillaume. Il porte le score à 11 unités côté, côté Cristolien. Bien repiqué au centre, ça donnait beaucoup, beaucoup d'angle avec son bras gauche. Et eh bien dis donc, démonstration pour l'instant de cette équipe d'Istres à qui tout réussit, ou plutôt qui réussit tout, hein, ça doit, ils doivent rien à personne, c'est à part à leur talent. Molinier encore un petit peu juste, la balle va rester blanche pour les Cristoliens. Et Arnaud Tabaran, grand grand match pour l'instant du portier istréen. Arrêts pour lui, hein. 6 sur 10, 60% d'arrêts pour l'instant. Boyba Sissoko, allez, qui va provoquer lui peut-être à la faculté de, avec son jeu, avec son énergie, d'aller. Allez, ça c'est pas la peine par contre. On va calmer tout ça du côté des arbitres et d'expérience, hein, du côté des deux joueurs. Andro Fernandez rappelé à l'ordre aussi un petit peu. C'est un petit peu chauffé de part et d'autre, allez, tout va bien. Espagnol a signé plutôt, plutôt aux tâches défensives. Allez, un petit coup de serpillère, c'est Valentin Hamann et les Cristoliens un petit peu tête basse. Hein. Il faut aussi aller retrouver un peu d'allant d'énergie. C'est pas facile quand on rate son début de match, quand on est à moins 7 aussitôt. Mais il faut relever la tête. Dans les attitudes, là, il faut se relever. Il faut aller au combat et y retourner parce que sinon... ça va être très compliqué. Regardez cette défense d'Istres, toujours très haute, très agressive, qui va chercher haut les porteurs du ballon. À l'image de Paris Signe, quasiment aux 9 mètres. Mais ça marche, ça fonctionne une fois de plus. La relance ultra rapide. Une nouvelle ballon, une balle de contre peut-être, même si on va temporiser un petit peu le bon repli des Cristoliens. On a un petit peu tergiversé. On va en profiter pour faire des changements. Côté istréen, une balle de plus 8. De plus 8 après 20 minutes de jeu, 21 dans cette première mi-temps. Et les Cristoliens qui ont fait leur changement. Guillaume Crépin ripé sur l'aile. Enfin, plutôt sur le poste d'arrière droit pour l'instant. On va continuer de permuter. Le voilà en possession du ballon, le chef d'orchestre istréen. Le contre, mais la faute. Crépin pour Ujasic. Hop là. André Guillaume qui est revenu au centre. Le gros tir et la belle parade de Dylan Soyer. Un petit peu sur le gardien ce tir. Ah, les Cristoliens, un petit peu de vitesse peut-être avec Sissoko qui va y aller, qui va fixer Molinier. Mais ça y est, on est arrêté, la défense est en place. Sissoko qui n'a pas trouvé de solution pour l'instant, hein, le capitaine Cristolien. Deux tirs seulement pour lui, deux échecs. L'entrée de Jonas Poignant au pivot côté Créteil, au relais de Valentin Hamann. C'est qu'il y a des absents des deux côtés, les possibilités de faire tourner sont pas illimitées ce soir. Molinier qui essaie de secouer un petit peu tout ça, Sissoko sur le reculoir. Hein. C'est vraiment l'image de ce début de match. Il essaie d'y aller, oh, dans un trou de souris, non, il y aura marché, sanctionné. Bon, il va, Sissoko à l'énergie, qui avait trompé Tabaran. Ce ballon va rester blanc, mais le but n'est pas validé. Sissoko, Molinier, les bras sont levés, la solution à l'aile peut-être. Mais toujours Tabaran, toujours Arnaud Tabaran, incroyable dans ce début de match, 7ème parade pour lui.
en 23 minutes. Gros gros pourcentage et nouveau temps mort du coup demandé. Et bah dis donc, début de match, qui l'eût cru que cette affiche entre équipes qui jouent leur qui jouent le maintien, qui jouent un petit peu de leur peau ce soir, parce que les points valent cher entre concurrents directs. Et bah pour l'instant, tout sourit aux hommes de Gilles Dérault et aux Istréens, qui font un début de match celui dont ils rêvaient certainement. 11-4 plus 7 après 23 minutes de jeu, vous le voyez. Il n'y a pas besoin de gros discours, il faut surtout retrouver de l'énergie, hein. Il faut retrouver l'envie, de la fluidité, de la vitesse, tout ce qui a fait défaut dans cette, jusqu'à présent dans cette première mi-temps. Il faut surtout essayer de ramener l'écart à des proportions un peu moins dramatiques avant la mi-temps, pour pouvoir essayer d'enchaîner rapidement. Il reste du temps, hein. On peut en faire plein de choses en plus de 35 minutes au handball. Ça commence à urger tout doucement. Alors pour Guillaume Crépin, les Istréens, tout va bien, merci pour eux. Allez, on va y retourner pour les sudistes. 11-4. Stovo Jasic. Lui, les Monténégrins qui étaient engagé aussi, on en dira un mot tout à l'heure, dans les qualifs de l'Euro 2022. Il y a quelques joueurs sur le terrain concernés par l'histoire. Ceux qui ont pu jouer en tout cas dans cette fenêtre internationale, hein, pas comme l'équipe de France, dont vous le savez bien sûr dans les deux matchs contre la Belgique et la Grèce ont dû être remis. Pour les Bleus, du coup, la prochaine fenêtre, ça sera juste avant les mondiaux, hein, juste avant le mondial de janvier en Égypte. Double confrontation contre la Serbie. De l'arrêt de jeu, hein, du coup, pour vous faire le topo, c'est Vasco Sevaljevic, autre Monténégrin, qui était en sélection. Défaite contre la Roumanie, emmenée par le coach, hein, de Saraf, Rares Fortuneanu. Les Monténégrins qui ont joué deux matchs pour l'instant, une victoire, une défaite, dans un groupe qui compte aussi donc la Suède, la Roumanie, le Kosovo. Victoire contre le Kosovo et défaite contre la Roumanie, pour être tout à fait complet pour les Monténégrins qui sont dans le coup encore pour la qualif, bien sûr. Allez, les Cristoliens ont récupéré ce ballon. Retour au jeu, mais nouvelle interception en défense, et c'est bien fait. Ballon très rapidement mené. Oh, dommage, il m'avait manqué ce qui aurait pu être la toute dernière passe. Il l'a récupéré malgré la parade de Soyeo. C'est dur, il pense avoir récupéré ce ballon. Les Cristoliens, Soyeo le touche. Mais à l'énergie, Torben Petersen s'arrache pour porter le score à 12-4. C'est un petit peu l'histoire de cette première mi-temps, cette action. Hein. Une attaque cristolienne bafouillée, on perd le ballon. Et puis derrière, Istres qui parvient à récupérer et à marquer. La nouvelle parade de Tabaran, elle est rentrée, pardon, j'ai eu un doute, mais l'arbitre effectivement a validé ce but. Robin Molinier qui porte son total à 3 buts cet après-midi, 12-5. Allez, plus 7, c'est lourd, hein. C'est toujours très lourd cet avantage. Et à l'énergie, dis donc, impressionnant en deux temps là, en deux mouvements de bras. Le géant Torben Petersen qui s'est arraché. Très très bon début de saison, hein, du Danois sous les couleurs nîmoises. Déjà 6-9 à Nîmes mercredi. Qui vient d'arriver, hein, dans le championnat de France. C'est sa première saison en dehors du Danemark où il avait joué jusqu'à présent. À 27 ans, il s'est lancé, il a franchi le pas. Peut aider, c'est vrai, peut-être aussi par la présence dans l'effectif istrien de Rasmus Nielsen, bien sûr, l'autre joueur danois qui lui était arrivé la saison précédente. C'est la Viking Connection de cette équipe d'Istres. Et donc plus 8 après cette réalisation de Petersen, le jet de 7 mètres, pour essayer d'adoucir un tout petit peu la note. On a fait rentrer, du coup, c'est au fond, rentrée de Clément Godin. Trompé du coup sur ce jet de 7 mètres. 13-6, on en reste quasiment au même écart, hein, depuis tout à l'heure. Il faudra un temps fort, hein. Il faudra que Créteil, pour recoller, arrive à enchaîner 2-3 bonnes défenses pour essayer de faire une série là, et puis marquer 2-3-4 buts pour vraiment recoller, parce que là à chaque fois ça marque d'un côté, ça marque de l'autre, et du coup le temps défile, mais l'écart lui reste le même. La défense haute de Pintor qui est. Ouais.
qui est dépassé, qui est débordé par l'énergie de Risto Vujačić, qui s'est complètement décalé à gauche cette fois-ci, qui est rapidement retourné sur le banc. L'efficacité en attaque des Istriens, impressionnante, presque aussi impressionnante que leur défense cet après-midi. Ouais, pourtant on va sortir évidemment. Tour d'Antoine Ferrandier. Alors, on a eu beau changer pour l'instant, hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de solutions, beaucoup de changements surtout dans l'efficacité, que ce soit avec Poigny en pivot à la place d'Aman, l'entrée d'Antoine Ferrandi, même s'il a transformé ce jet de 7 mètres tout à l'heure. C'est vrai que les solutions, hein, de rotation sont pas infinies. Il y a des jeunes des deux côtés, il y a surtout beaucoup d'absents côté Créteil, on le répète. Si vous nous rejoignez, hein, 4 joueurs et pas des moindres qui manquent cet après-midi. Boragan notamment, hein, avec Geoffroy Carabas au pivot, avec Oussama Osni et Emeric Anzouini, qui est plus qu'un jeune du centre, hein, qui a beaucoup apporté dans ce début de saison. Allez, les Cristoliens qui doivent s'accrocher pour essayer d'y croire, de recoller avant la pause notamment. Allez, toujours blanche la balle, mais il faut tirer, les bras sont levés du côté des arbitres. Sissoko. Ferrandier qui s'y colle, c'est à côté. Arnaud Tabaran va pouvoir relancer. Étape plus 8, une balle de plus 9 pour Istres un petit peu avant la pause. 3 minutes avant de regagner les vestiaires. Guillaume Crépin qui a quasiment pas quitté le terrain pour l'instant. Qui a amené pas mal d'énergie, on a vu quelques beaux mouvements côté Istrien, la défense avec une pointe, dommage, ballon rendu. La défense 1-5 là qui a payé un petit peu, Créteil qui essaie de remonter vite, pas assez vite pour le bon repli défensif là des Istriens à nouveau. Sissoko, voilà, un petit peu arrêté devant le mur, ça on a vu très souvent, trop souvent pour Créteil cette image de son meneur. Hein. Pourtant il est rapide, il est tonique, mais à l'arrêt devant la muraille violette. Dressé sur le terrain de Robert Aubron cet après-midi. Ferrandier qui s'est dit aller trouver une solution au pivot. Ça a été sifflé avant le but de Jonas Poignant. Ouais, Jonas Poignant qui va remettre ce ballon en jeu. Un petit changement en défense. Le retour de Louis Roche. Avec Louis Roche et Andrea Parisini, hein, sur cette action. Là aussi, hein, toujours cette défense haute. On ne se contente pas du tout d'attendre les attaquants côté Istres. On sort bien et ça perturbe vraiment beaucoup cette équipe de Créteil qui manque de solutions en attaque. Même si là, il était un petit peu balancé. Ferrandier qui amène un petit peu d'énergie quand même, hein. Ça se voit pas forcément toujours au tableau d'affichage, mais dans les mouvements offensifs, il arrive à se créer des situations de tir. Ça marche pas à chaque fois, mais ça marche peut-être un petit peu mieux quand même. Clément Godin va rentrer du coup pour ce jet de 7 mètres, hein. Le jeune gardien de cette équipe d'Istres. Enfin, ça fait Ferrandier, la parade de Clément Godin, la deuxième lame, ah, dommage. Une parade, mais pas deux. Ferrandier qui prend son propre ballon. Et sur cette deuxième chance, qui trompe Clément Godin. Arnaud Tabaran va reprendre sa place. Clément Godin qui ne croisera plus son frangin, hein, Noah Godin, cette année en Lidl Star League. Noah Godin, les deux fils, hein, évidemment, tous les deux de Christian Godin. Noah Godin qui a quitté Aix, vous le savez, pour rejoindre le championnat danois cette année. Lui qui a déjà pas mal bourlingué, hein, passé par Célesta notamment, par Cesson, par Aix. Et qui a donc pris le Camille Caponor, Guillaume Crépin et les Istriens, toujours bien dans cette dernière minute de la première mi-temps. Plus 7, écart stabilisé depuis un bon quart d'heure maintenant. Parisini, Guillaume Crépin qui va servir, hein, interception, bien joué. Ferrandier à nouveau, on essaie de donner de la vitesse, et à chaque fois, hein, c'est terrible ce déchet en attaque sur ces remontées de balles.
n'y a pas eu une remontée de balle fluide et efficace en 30 minutes du côté de Créteil. Et ça se paye cher, hein. Là, il n'y a pas de secret. On est à moins 7 côté Créteil, ben, peut-être moins 8, il reste 20 secondes aux Istriens pour enfoncer le clou et se donner un avantage maximum, et ce qui serait déjà une option dans ce match. 10 secondes, le ballon récupéré par Créteil mais qui va être rendu au violet, le chrono tombe toujours, 7 secondes, il va falloir tirer côté Istres. Crépin pas forcément le mieux outillé par Issini qui essaie de s'arracher. On va en rester là dans cette première mi-temps, on va se relever, Andrea Parisini qui préfère en rigoler. Est-ce qu'il va quand même récupérer, on va se récupérer un Geffran. Mieux que ça, la faute. Alors, est-ce qu'il y a eu sanction? Il y a eu peu de 2 minutes aussi hein, dans cette première mi-temps. Pas distingué par les défenses. Allez, une dernière occasion pour Torben Petersen, le Danois, à la dernière seconde de cette première mi-temps. D'essayer de tromper Dylan Soyer. Petersen pour le plus 8. Un exercice compliqué hein, qui marche pas souvent. Allez, Petersen face au mur et face à Soyer. Oh là là, Petersen impressionnant qui traverse le mur, on va le revoir. Ah, il doit pas passer ce ballon, hein. Ouais, d'accord, mais il doit pas passer. Ça a traversé les bras cristoliens là. Et Soyer, ouais, fou furieux contre sa défense. Bah oui, il faut pas se. Donc, vous voyez dans la gestuelle à droite, hein, il est remonté comme une pendule. Ce ballon qui a traversé le mur cristolien, et ben, c'est un peu à l'image de cette première mi-temps, atteinte sur le score, je dirais, presque surréaliste. Tant mieux pour les Istréens et tant pis pour les cristoliens. 15-7 pour les visiteurs. Vous ne rêvez pas si vous nous rejoignez, le gros écart, plus 8 déjà fait par cette équipe d'Istre. On attend la réaction des cristoliens, on verra s'ils se relèvent de ce gros coup de massue. Rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Vos rendez-vous habituels sur LNH TV à la pause, le top but, le top arrêt. Gros plan sur Elohim Prandi également. On se retrouve dans quelques instants ici à Créteil.
deux ateliers avec Select ce matin, un avec les entraîneurs, un avec les capitaines. Le contenu qu'on va récupérer sur ces deux ateliers doit nous permettre de sortir des éléments que l'on veut intégrer dans le design du ballon de l'année prochaine. Les contrastes, c'était bien sur les deux contrastes. Mmh. Alors c'est une base marine et rouge. Il doit s'amuser quand même en duo. En mode. Plaisir, explosivité. Le respect des consignes du coach, le respect de l'adversaire et respecter aussi le ballon. Savoir en faire quelque chose de bien pour ses partenaires. Le ballon, c'est le seul élément qui relie les joueurs. Cette notion-là, pour moi, elle est essentielle. Globalement, La couleur, je la trouve mieux. Le ballon, je préfère quand il est clair. Mieux que celui-là. À choisir, je préfère celui-là. Du handball français avec Lidl. De retour à Créteil pour la deuxième mi-temps de cette rencontre qui va démarrer dans quelques minutes. On a un petit peu de temps, hein. Vous êtes encore posé tranquillement comme cette équipe d'Istres hein, qui est tranquille presque dans cette première période. 15-7, il n'y a pas d'erreur, hein. c'est le score plus 8 pour les Istriens qui ont repris eux le chemin de la Star League du côté de Nîmes avec une défaite mercredi soir. Et ben, effacer, oublier cette défaite où Nîmes a eu beaucoup de mal en deuxième mi-temps. Les Istriens ont survolé cet après-midi à Créteil cette première période, quelques chiffres, quelques stats hein, si vous voulez pour illustrer ça. Les Monténégrins de l'équipe, hein, Sevaljevic à 3 sur 5, Vujacic à 3 sur 3, 8 buts à eux 2, Crépin est à 3 sur 3, 100%, Daoud 2 sur 2, 100%, les Istriens ont jeté à 15 sur 19, 78% de réussite. On n'a pas pu, on n'a pas su côté cristolien endiguer cette marée violette. Dylan Soyer au but est à 1 sur 12, hein, Robin 1 sur 5. Deux arrêts de gardien seulement pour Créteil. C'est évidemment insuffisant pour les Cristoliens qui ont également pêché eux en attaque, hormis Robin Molinier qui a un petit peu surnagé à 3 sur 3. Plusieurs joueurs sont en échec total, hein, sont à 0 collectivement. Cette équipe de Créteil a tiré à 7 sur 17, 41% seulement de réussite pour cette équipe qui a traversé un peu comme un fantôme hein, cette première mi-temps. Les Cristoliens devront alors on dit
leurs supporters habituellement qui sont présents, mais en tout cas ils doivent à tous leurs suiveurs quelque chose. On va aller quelques belles images proposées par les équipes de LNH TV et de Via Storia de cette première période avec Arnaud Tabaran, le portier istrien qui a été lui exceptionnel. 6 arrêts pour lui dans cette première mi-temps. Pareil, signé le pivot également, a fait de belles choses. On s'est arraché souvent en attaque à l'image de cette action pour venir perforer la défense cristolienne. Le voici, notamment Vasco Sevaljevic, auteur comme dit d'un joli 3 sur 5. Et puis côté cristolien en attaque, l'énergie de Boyba Sissoko, Valentin Hamann ont beaucoup galéré, même si sur pénalty parfois. Là aussi Tabaran et Clément Godin aussi, hein, qui est à 1 sur 3, est rentré avec succès sur les pénaltys. Molinier, comme dit, un des seuls à surnager, mais vous le voyez comme souvent, c'est la défense qui a fait le job. Et puis en attaque, on a trouvé sur le jeu rapide des solutions. Sevaljevic, encore lui sur ce contre. Daoud qui lâche bien ce ballon pour Parisini qui s'arrache. On a vu de très belles choses du côté de cette équipe de Créteil, qui s'est donné beaucoup de confiance en tout cas, qui s'est donné une marge de sécurité au score déjà, évidemment, quand on mène plus 8 à la pause, c'est pas joué mais pas loin. Mais tant que Arnaud Tabaran nous sortira une partie de ce niveau là, et ben Istres peut voir venir, hein, s'ils mettent la même intensité en défense, hein, à l'image de cette action encore un petit peu là, avec cette énergie à la limite et ces solutions trouvées en attaque. Istres pourrait ramener quelque chose de ce match, on le rappelle, hein, vraiment très important pour eux et pour les deux équipes d'ailleurs. Hein. Deux équipes qui assument complètement, hein, jouer le maintien. Il n'y a pas de surprise, pas de piège de ce côté-là. Mais du coup, entre concurrents directs, c'est un match à 4 points cet après-midi à Créteil. Et pour l'instant, Istres a mis une main et un peu plus déjà dessus. L'énergie de Sissoko, il faudra un autre Boyba Sissoko. Hein. Il faudra montrer autre chose comme la plupart des cadres de Créteil. Guidel Pintor et la défense istrienne, eux, ont beaucoup souffert. Et Petersen, qu'on a peu vu, qui a peu joué en début de match, lui, par contre, a fait une entrée fracassante à l'image de ce match et de cette action, et puis à l'image surtout du dernier Geffrand, hein, sur la toute dernière action, que son tir a transpercé le mur de Créteil. Ferrandi a aussi essayé d'amener un petit peu d'énergie dans cette fin de première mi-temps. Peut-être que le... à l'image de ce jet de 7 mètres, même si la Clément Godin est à la parade. En deux temps, Ferrandi avait fini par transformer. Et voilà l'action dont je vous parlais. Le bras droit de Petersen qui transperce le mur et vient tromper Michael Robin qui était rentré. Hein. En fin de première mi-temps. Et les Istriens, évidemment, comme souvent, l'équipe qui mène est la première à revenir sur le terrain. Avec pour eux la seule difficulté, ça va être de garder le même niveau, la même efficacité qu'en première période. Pour l'instant, Istres peut voir un petit peu venir. Il va pouvoir gérer un petit peu. Et dès que Créteil sera de retour, et ben on va pouvoir lancer cette deuxième mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre sur l'autre canal de LNH TV l'autre rencontre de cet après-midi qui a démarré en même temps à 16h, ben pas très loin d'ici, hein, entre Tremblay et Saint-Raph. Ben là aussi, ce sont les visiteurs, les sudistes qui ont pris l'avantage. Et puis, clôture tout à l'heure à 17h, ça va être maintenant, hein, lancement du dernier match sur Bein de cette 8e journée de Lidl Star League. Et puis, on enchaînera dès le week-end prochain. Vous le savez, il n'y a pas beaucoup de temps mort. Il y a des matchs rattrapés en plus. Et donc, prochaine journée de championnat dès le week-end prochain. Toujours tous les matchs sur LNH TV et sur Bein Sport. Qui aura Coupe d'Europe, hein, évidemment, pour certains des clubs français cette semaine. Paris notamment sera en déplacement à Porto. Parisiens qui ont fait une petite semaine, hein, comptablement, ces deux matchs, ces deux victoires. Paris est toujours leader, Paris est toujours invaincu, certes, mais les Parisiens ont beaucoup ramé cette semaine à Tremblay mercredi soir pour s'imposer finalement 2-3 buts après avoir été menés, et pour s'imposer à Nîmes hier après-midi après avoir été menés là aussi. Alors on peut voir la réaction, hein, d'une équipe qui est revenue au score. On peut aussi voir une équipe qui a galéré, notamment à Tremblay, hein, la lanterne rouge du championnat, qui certes a sorti un très bon match. Mais on avait vu une toute petite équipe de Paris, même privée, c'est vrai, de Mikael Hansen et de quelques joueurs majeurs. Et on va relancer, nous, cette deuxième mi-temps, ici, à Créteil, entre les Istriens à l'image, qui eux sont bien dans leur partie.
et les Cristoliens, ou Michael Robin qui a terminé la première période va peut-être rentrer effectivement pour essayer d'insuffler. On essaye tout, hein. Changement de gardien, évidemment, c'est du classique. Arnaud Tabaran, lui de l'autre côté, et ben, a été ultra performant dans le jeu avec 6 arrêts sur les 11 tentatives. 6 sur 11, une belle stat pour ce gardien, une des valeurs sûres du championnat. Formé le Basque, hein, formé à Irún en Espagne, qui a rejoint la France du côté du Paris Handball qu'en 2007. Il passe ensuite par Vernon, par Créteil notamment, où il a joué 3 saisons. Avant de rejoindre Bière, le club près de chez lui, hein, de sa région, qu'il avait accompagné malgré la descente du club, malgré la relégation nationale 1, il était resté pour faire remonter l'équipe. Avant de rejoindre Istres finalement en 2019, au moment de la retraite, hein, de l'arrêt de la carrière de Romain Capel. Allez, on va y retourner dans cette deuxième mi-temps. Alors, la confirmation de la mainmise de cette équipe d'Istres ou la réaction, la révolte du côté de Créteil. Choisissez votre camp. Il est peut-être encore temps de réagir, de choisir. 8 buts, par contre, c'est quand même un sacré handicap. Hein. Ça va être compliqué pour Créteil. Ça serait presque un petit exploit. Mais pourquoi pas? Ça peut être aussi un acte fondateur d'une équipe, hein, quand vous allez chercher un gros résultat, quand vous faites une grosse remontée, quand vous allez en, un peu comme Chambéry, hein, en mode commando, chercher un résultat, parfois dans des conditions compliquées avec un effectif réduit. Enfin voilà, il peut y avoir dans l'histoire d'une équipe des matchs comme ça qui font basculer une saison. Le seul mérite des Cristoliens, ça aurait été de se mettre dans une situation où la remontée pourrait apporter, écrire quelque chose dans l'histoire collective de cette équipe. On n'en est pas là, mais c'est possible, c'est du sport, tout est toujours possible en sport et au handball. 30 minutes pour remonter 8 buts, c'est le challenge, l'énorme challenge de cette équipe de Créteil et de son coach. Et que ça va être difficile de déboulonner des Istréens du coup en pleine confiance. Et bien la réponse dans une trentaine de minutes après la deuxième mi-temps de cette rencontre qu'on est toujours ravis de vous proposer évidemment. Gratuitement et en direct sur LNH TV comme tous les matchs de ces journées de Biel Star League, à suivre sur Beansport ou ici même. Allez, c'est reparti, 30 minutes pour faire la décision dans ce match entre concurrents directs pour le maintien et les Cristoliens, les premiers en action. On est au complet évidemment dans les deux équipes, pas de changement majeur. Kervadec de retour sur le terrain côté Créteil avec Antoine Ferrandier dont l'entrée a fait un petit peu de bien, c'est vrai qu'un petit peu plus de vitesse peut-être. Et la solution Johan Giblin qui avait démarré le match, qu'on n'a plus beaucoup vu après, que son coach a décidé de relancer dans ce début de deuxième mi-temps. Petersen, lui qui a été très bon sur la fin de première mi-temps, est à nouveau sur le terrain. Guillaume Crépin qui est à 100% au tir, hein, 3 sur 3 pour lui. Et là aussi côté istréen, le voici. La base arrière qui travaille. Solution à l'aile là-bas pour Nielsen. Ballon touché par Michael Orban, semble-t-il. Ou est-ce que c'est hors cadre? C'est bien sûr, c'est le gardien, ouais, qui l'a dévié et qui met l'ailier danois en échec. Allez, un arrêt pour démarrer qui va peut-être mettre en confiance cette équipe de Créteil. Il en a bien besoin, mais il va falloir enchaîner, hein. Il va falloir faire une série, enchaîner plusieurs bonnes séquences défensives sans prendre de but et puis être performant devant. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas du tout réussi dans ces 30 premières minutes. Ferrandier qui allait provoquer à nouveau Valentin Hamann de retour au pivot dans ce début de deuxième période. Avec Gilles à nouveau, Sissoko est sur le banc. Qui va percuter. Et la défense, la faute sanctionnée, ce sera un jet de 7 mètres comme tout à l'heure pour Antoine Ferrandier. C'est Arnaud Tabaran qui va rester au but alors que Clément Godin était rentré pour les précédents. Louis Roche, c'est qui va nous observer ça du banc. Ferrandier face à Tabaran pour ramener Créteil à moins 7. Et c'est Cristolia qui prend le dessus, qui gagne son duel. Il
il est retourné hein, malgré son échec face à Clément Gaudin tout à l'heure, enfin échec, semi-échec hein, puisque le premier tir avait été repoussé, il avait récupéré son propre ballon pour marquer. 8-15, le premier but de cette deuxième mi-temps est cristolien. Mais Istra de la marge pour voir venir. Il n'y aura pas de match en semaine pour ces deux équipes la semaine prochaine. Elles ne rejoueront que le week-end prochain. Paris signe au pivot. Ce ballon est perdu. Non, il restera violet, pardon. Ouais, l'enchaînement pour les deux équipes. Créteil sera en déplacement à Toulouse. Pas facile. Et les Istréens, eux, recevront Chambéry. Ballon perdu en attaque par les Istréens. Allez, l'occasion pour les Cristoliens d'enchaîner. Avec Carvalec, un petit peu de champ. Ferrandier qui va tout seul, la parade de Tabaran. Alors que c'était ouvert le chemin du but là dans la défense istréenne entre les deux joueurs et dans le visage de Tabaran. Mais c'est un roc. Il a pas bougé, il s'en est excusé. Hein, vous avez vu Antoine Ferrandier. Vous connaissez le protocole, hein, même s'il ne s'en plaint pas, quand il y a un ballon comme ça, le médecin va venir jeter un petit coup d'œil. Ça le fait plutôt rigoler, mais c'est vrai que ça dépend vraiment des cas. Alors, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, manifestement. C'est un septième arrêt, hein, ça comptera, du visage comme les autres. C'est le protocole, hein. Tout a l'air d'aller très bien. C'est qu'on a vu des cas où ça secouait un peu plus, hein, quand c'est à portant comme ça. Allez, on va pouvoir y retourner. Après cet arrêt du visage d'Arnaud Tabaran ou cet échec au tir, je sais pas comment il faut l'appeler, d'Antoine Ferrandier. Choisissez votre camp. Allez, possession Créteil pour remonter ce ballon. Avec Petersen, avec Crépin, il travaille tranquillement à l'arrière. Paris Signe qui s'est écarté, ça on le fait souvent, hein. Les pivots ressortent assez souvent côté Istres sur ces mouvements quand on est loin. On trouve un peu de profondeur. Jasic avec Andrea Paris Signe au pivot. Quoi. Ouais, on n'a pas réussi à trouver l'Italien cette fois-ci, ancien pivot de Strasbourg en Pro League. Qui essaye de mettre un petit peu de vitesse, car qui ça fait 2-3 fois hein, qu'il a peut-être des possibilités d'aller shooter, qu'il ne les prend pas. Le jeune arrière. Il y avait peut-être du champ, hein, il y avait peut-être moyen d'aller provoquer la défense, là, d'aller chercher un shoot. Allez, Giblin. On va passer responsabilité au shoot là, côté Créteil, même si on cherche des bonnes positions, on finit par perdre ce ballon une fois de plus. Hein. Paris Signe qui remonte rapidement ce ballon avec Nielsen à l'aile. Et la sanction, comme à chaque fois, sanction immédiate. Balle perdue en attaque par les Cristoliens et réalisation derrière. Et Nielsen à son tour qui sanctionne, comme dit, pas de pitié, son premier but de la soirée après deux échecs. Il revient écart vraiment stabilisé hein. 16-9 dans cette partie. On n'a pas réussi côté Créteil à enflammer un petit peu ce début de deuxième mi-temps, à mettre la pression, à faire douter les visiteurs. Va rester violet ce ballon. Vous avez peut-être pu suivre hein, d'ailleurs sur les réseaux sociaux le déplacement à chaque fois filmé par un joueur. Le déplacement des Istriens en l'occurrence Guillaume Crépin une nouvelle fois. Il continue son match parfait, il est à 100%. C'est que la plupart des clubs, hein, tous les clubs même de Pro League ou de Star League pardon, vous proposent
des contenus un petit peu différents, d'essayer de garder le lien avec, avec vous, tous les fans, tous les supporters des équipes qui ne pouvaient pas venir dans les salles. Des séquences inside avec des interviews, avec des petits exercices, avec des challenges selon les clubs tabarants une nouvelle fois, même s'il y a eu un coup de sifflet. On essaye dans tous les clubs de se bagarrer, d'avoir des idées, d'innover pour garder ce lien entre les groupes pro qui en ont besoin aussi, hein, qui eux aussi sont coupés de leurs fans, de leurs supporters, des partenaires, de tout ce qui fait le lien dans un club. Les salariés des clubs, hein, souvent une partie sont en télétravail, du coup les joueurs sont vraiment plus que jamais en vase clos. C'est un manque évidemment pour les supporters que nous sommes, que vous êtes. C'est aussi un manque pour les joueurs. Le nouveau jet de 7 mètres, Clément Godin est rentré. On est trompé par cette nouvelle réalisation d'Antoine Ferrandier. Il est seul à surnager au scoring avec Robin Molinier côté Créteil. 17-10. Il va en falloir plus, hein. Il va en falloir plus pour déstabiliser cette équipe de Créteil, cette équipe d'Istres, pardon, qui est vraiment tranquillement installée dans son match avec beaucoup de confiance. Et le gros tir là, grosse réalisation une nouvelle fois. Il y a de l'énergie, si on trouve en plus maintenant des solutions de loin. Petersen, ça fait mal à Mano pivot pour réussir quand même à trouver Tabaran. Voilà le Danois. Et devant lui, Valentin Hamann Servi qui a pu se retourner et marquer très rapidement. J'ai un doute sur la sanction en défense, est-ce qu'il y a eu 2 minutes finalement, on va voir très rapidement. Valentin Hamann, les pivots n'ont pas été non plus très en réussite côté cristolien jusqu'à présent. Plus 7, écart toujours stabilisé depuis la pause. C'est la meilleure défense, hein, comme dit, de la troisième meilleure défense du championnat, mais qui voyage bien cette année, malgré la défaite anime la relance. Allez, peut-être de Michael Robin, avec Johan Giblin, avec Kervadec. Allez, la solution peut-être là-bas jusqu'à l'aile. Ben voilà une solution avec... cette nouvelle réalisation de Loïc Yasuba pour son entrée, l'un des jeunes du centre qui est venu un petit peu, qui profite entre guillemets des blessures pour se faire une place parmi les groupes pro. Alors, ils s'entraînent souvent évidemment avec, mais il y a du temps de jeu à prendre fatalement dans ce contexte. 7 ans seulement, hein, Loïc Yasuba. Son premier but contre Aix, la relance très rapide, il n'y avait pas de gardien du coup, voilà. Allez, peut-être que la machine et la marche avant iraient enclencher côté Créteil. On a profité de cette cage vide pour revenir à moins 5. Ça fait un petit bout de temps que les Cristoliens n'étaient pas revenus aussi près grâce à ce bon coup d'œil de Kervadec notamment. Allez, moins 5, mais le chrono qui tourne, c'est déjà presque 10 minutes de jeu à ce rythme-là, ça suffira peut-être pas. Mais il faut s'arracher là pour essayer d'y croire. La défense haute à nouveau des Cristoliens. Crépin qui s'en défait un petit peu, avec une petite faute. Allez, on a nettoyé, asséché le terrain, on va pouvoir y retourner. Et ça fait tourner tranquillement, Cavaglia qui est sorti. Ce ballon va rester violé avec Nielsen, avec Petersen, les deux Danois de cette équipe. Crépin chassé par Pintor qui peut servir, on est un petit peu arrêté haut l'arrêt en deux temps. Il avait été un petit peu pris à contre-pied, Michael Robin, qui réalise une nouvelle parade, qui fait du bien à sa défense. Peut-être la solution en face avec Giblin. Le nouvel arrêt, la nouvelle parade de Michael Robin. Il y aura eu un petit sifflet juste avant. On est toujours à moins 5. Mais la balle va rester blanche.
Allez, Kervadec, Ferrandi et la défense haute à nouveau de Louis Roche qui vient chercher très très haut. Et ouais, ça finit par payer Tabaran qui va pouvoir relancer même si Yaman était resté très haut. Petersen qui va y aller, non, qui est séché, sanctionné au 9 mètres. Allez, séquence un petit peu folle là, personne ne pose le jeu. Il y a eu un nouveau coup de sifflet, possession Créteil toujours. Et une balle de moins 4. Presque un luxe au vu des 30 premières minutes. Presque un luxe pour les Cristoliens. Allez, ça fait partie des ballons qu'il faut pas rater pour recoller pour eux. Si Créteil veut se donner une chance dans cette deuxième mi-temps. C'est peut-être maintenant qu'il y a un pas de plus à faire pour essayer de recoller. Aman. Et la bonne défense, le nouveau contre Istrien. Paris Sini, bien pris par Kervadec. Allez, le bon repli des Blancs qui va donner un petit peu de temps, un petit peu d'air. Le temps de faire un autre changement aussi. Crépin toujours avec Paricini dans le trafic qui parvient à s'arracher l'Italien à l'énergie. Ouais, la réponse tout de suite. Il n'y a pas de temps fort hein, d'un côté ou de l'autre. Hein, personne quasiment n'a réussi à véritablement enchaîner. 19-15. But il y a moyen, il y a match à nouveau dans cette partie. Créteil a quand même réussi à refaire quasiment la moitié de son retard. On était à moins 8, on est à moins 5. C'est pas encore le grand sourire et la grande rigolade, mais ça va peut-être un petit peu mieux. Petersen. Et en deux temps, les Istriens qui trouvent la faille une nouvelle fois. Ah, et tant qu'ils trouveront des solutions pareilles en attaque. Ce sera compliqué pour Créteil. Il y a Sitch une fois de plus. Entrée de Juanjo Fernandez aussi pour les tâches défensives. Compliqué, hein. Compliqué. Deux shoots pris pour l'instant seulement pour le pivot cristolien qui obtient néanmoins un nouveau jet de 7 mètres. Tabaran est resté au but. La réponse, l'avantage pris par Ferrandier qui fait du bien, hein. Qui fait quand même beaucoup, beaucoup de bien à son équipe cet après-midi. C'est un de ceux qui maintiennent un petit peu cette équipe la tête hors de l'eau. Sur 10 pour lui pour l'instant. Ces buts précieux qui font du bien parce qu'ils sont un peu rares, un peu trop rares côté Créteil. Pintor en défense haut qui chasse un petit peu. Crépin à nouveau. Paricini, joli mouvement sauvé par la barre. Michael Robin. Tout près d'un deuxième but consécutif, le pivot italien. Allez, une balle de moins 4 à nouveau pour Créteil. Ferrandier au grand complet sur le terrain. Lucas Ferrandier a rejoint son Antoine Ferrandier de frère. Il a donc 7 sur 11 désormais. 2 sur 2 pour Lucas Ferrandier. L'équipe avait les mêmes stats que la paire là. Créteil serait mieux dans ce match. La grosse extension mais sans succès. Nouvel arrêt facile pour Tabaran qui continue sa moisson. Fernandez rester sur cette phase offensive, non, il va quand même sortir. Ouais, c'est pas souvent qu'on le voit de l'Espagnol sur cette moitié du terrain.
l'ancien Nîmois notamment. Joueur dévolu quasiment exclusivement aux tâches défensives, hein, un peu comme Baguinet le Pinteur notamment côté, côté Créteil. Caviglia avec Crépin qui a cherché son père à nouveau. Perte de balle istréenne. Un petit peu moins fluide, un peu moins efficace là côté visiteur dans cette, ce début de deuxième mi-temps. Ça pourrait donner à cette équipe de Créteil des raisons d'y croire. Pour l'instant, le chrono tourne et il fait les affaires des visiteurs. On est à la moitié déjà de cette deuxième mi-temps. 15 minutes de jeu, Ferrandier qui continue son festival, hein, ou presque 8 sur 12 pour lui. Il fait du bien et du coup, ouais, évidemment, temps mort posé par, par Istres. Parce que les 8 buts d'avance de la pause eh ben, ne sont plus que 4. Alors la moitié du temps est jouée, mais à ce rythme-là, Créteil pourrait y croire, Créteil pourrait s'offrir quelque chose. Le droit de croire en tout cas à quelque chose dans cette fin de match. Ouais, c'était de rester neutre si on avait du suspense, un peu plus de suspense qu'on en a vu en, en première mi-temps, on est preneur évidemment. Même si, si cette équipe d'Istres a su se, se donner une marge sinon confortable, ou en tout cas on va dire appréciable. C'est toujours elle qui est devant, quasiment depuis le tout, tout début de ce match, hein, où très vite les Istriens s'étaient décollés. Allez, 15 minutes. 15 minutes pour y croire pour les Cristoliens. Ou 15 minutes pour conserver un avantage chèrement acquis côté, côté Istres. Dans ce match, on le répète, hein, entre deux concurrents directs. C'est l'équipe qui respirera un peu mieux ce soir au classement. Hein, ou même dans un classement, comme dit, un peu compliqué à lire avec les nombreux matchs en retard. Toutes les équipes qui n'ont pas le même nombre de rencontres jouées. Les deux équipes se tiennent. Hein, 4 points chacune. Même si on n'a pas le même nombre de matchs joués, hein, de part et d'autre. Créteil a joué 4 matchs, Istres en a joué 5. Allez, c'est reparti après ce temps mort. Guillaume Crépin, lui, est toujours là. L'infatigable demi-centre de cette équipe d'Istres. Petersen aussi, maintenant, ne quitte plus beaucoup le terrain. On s'appuie beaucoup sur ce, quasiment sur ce 6-là. Depuis 15 minutes maintenant côté Istres. Ça va te faire souffler aussi, hein, c'est vrai, d'autres joueurs. Bien fait ce mouvement Guillaume Crépin quasiment au pivot là, qui s'était immiscé au sein de la défense cristolienne pour une nouvelle réalisation. Très très efficace cet après-midi, que ce soit dans l'animation ou au score tout simplement. Hein. Quand il s'agit de. D'alimenter la marque, 5 sur 6, un quasi sans faute pour lui. Bel après-midi pour l'instant, 16-21, un petit peu d'air à nouveau pour Istres qui est à plus 5. Ferrandier, son frangin un petit peu dans le dos cette passe, elle va rester blanche. Avec Jonas Poignant de retour au pivot, au relais de Valentin Hamann. Allez Créteil, il faut trouver de la vitesse là un petit peu si on veut se donner une chance de déstabiliser cette équipe et d'aller défier Arnaud Tabaran chaud comme la braise dans sa cage. Ferrandier un petit peu arrêté à nouveau, la bonne défense istrienne. Kermanek et la parade une fois de plus, hein, une deuxième chance peut-être, non. Il était en zone au moment de récupérer ce ballon. Nouvelle parade d'Arnaud Tabaran. La main ferme sur ce tir avec le rebond de Kermanek. Impressionnant gardien cet après-midi. Il est à 8 sur 18 dans le jeu, hein. Quasiment 50% d'arrêt. Grosse perf après quasiment 50 minutes de jeu, hein. Ça, le temps qui défile et qui joue pour Istres. Avec le ballon chippé par les Cristoliens, monté rapidement par Ferrandier. Oh, qui trouve la barre. En plus, ils sont pas vernis. Sur la passe de son frère Ferrandier, pourtant qui a fait tellement de bien à cette équipe, et là à deux doigts de repasser à moins 4 les Cristoliens. Et bah du coup sanction en face, hein. C'est une balle de plus 6 pour se donner de l'oxygène dans cette l'attaque quasiment des 10 dernières minutes de cette partie. 21-16, vous le voyez, pour les Istréens.
qui ont vu quand même revenir doucement et presque sûrement cette équipe de Créteil. Kervadec qui défend en haut à son tour. Crépin qui se défait de Kervadec qui va défier Robin. Ouais, il fait partie des artisans. Il y a beaucoup de monde qui est bon ce soir du côté d'Istres, mais lui, il fait un bon match, Guillaume Crépin. Véritable poison hein, pour la défense, ça fait plusieurs fois qu'il arrive à se glisser avec des appuis, vous l'avez vu, très, très dynamique, très vif, très rapide. Qui vient se glisser, lui, un des plus petits joueurs du championnat, 1m73. Voilà, là où la petite taille, c'est un avantage. Ballon perdu, à nouveau, une fois de plus, une fois de trop peut-être par les Cristoliens en attaque. La sanction peut-être avec Petersen. On va garder ce ballon, on va temporiser un petit peu avec Andrea Guillaume. Savaljevic. On a su aussi ne pas se précipiter, hein, côté istréen jusqu'à présent. C'est vrai que les coups qui étaient jouables rapidement, on les a joués vite. A contrario, il y a des possessions comme là, où on a su calmer le jeu, faire tourner un petit peu le temps, le chrono. Tout ce qui travaille pour les istréens qui sont devant depuis le tout début de cette rencontre. Alors qu'on va attaquer les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Passera pas, Michael Robin va pouvoir relancer pour son équipe. On n'a plus revu Boïva Sissoko hein, notamment dans cette deuxième mi-temps. A l'inverse, vous l'avez vu, les jeunes prennent le pouvoir. Kylian Rigaud de retour sur le terrain, on essaye tout ce qu'on peut tenter. Le voilà, Sissoko de retour, justement le capitaine de cette équipe de Créteil pour les 10 dernières minutes. Et son équipe est à moins 6. Autant dire que le challenge est haut. Et on va peut-être profiter de ce tambour pour attaquer le dernier rush, les 10 dernières minutes, le money time de cette partie. Et le défi de Créteil est toujours là, un peu plus compliqué encore peut-être. Il y avait moins 8 à la pause, moins 4 tout à l'heure, pas longtemps. Et à nouveau plus 6 pour Istres. Il y a toutes les cartes en main pour faire fructifier un nouveau déplacement. Eux qui sont allés chercher des points à l'extérieur hein, cette saison du côté de Limoges notamment. Hein, le promu Limougeot, étonnant promu. Oui, Istres était allé faire match nul. Alors c'était, on a l'impression que c'est presque notre époque hein, avant cette coupure. Un bon nul 27 partout, un bon nul à Dunkerque aussi pour les Istréens lors de la journée précédente. 20 partout. Contre Tremblay aussi lors de la première journée, voilà pour la victoire et les deux nuls, voilà pour les points pris par les Istréens jusqu'à présent et peut-être une deuxième victoire qui se dessine, qui leur tend les bras en tout cas hein. Ça serait une terrible déception pour eux de pas s'imposer cet après-midi après le match qu'ils ont fait et après l'écart qu'ils ont eu, l'écart à plus 8. Mais Antoine Ferrandier et les Cristoliens ont envie d'y croire. Il va falloir la réussir un quasi sans faute hein, pour gommer ses 6 buts d'avance. C'est 6 buts de retard pour l'occurrence pour les Cristoliens. S'ils veulent se donner une chance, et bien c'est maintenant. C'est maintenant avec la classe Biberon un petit peu, hein, notamment Loïc Diarasso sur le terrain avec Kylian Rigaud. Les jeunes pousses aussi sont lancés pour essayer de faire basculer cette rencontre. Rigaud justement à l'opposé. Sissoko avec Ferrandier contré. Toujours blanche, vous voyez, on se précipite pour jouer, parce que le chrono n'est pas arrêté. On va la jouer de l'autre côté, c'est Loïc Diarasouba qui va remettre ce ballon en jeu. Et le temps qui passe, le chrono qui défile et qui joue pour Istres. À l'énergie, voilà une bonne solution trouvée par Kylian Rigaud pour marquer son entrée sur le parquet, sur le terrain. Son échec de tout à l'heure, 1 sur 2 pour lui. Écoutez, Istres, évidemment, on va calmer, même si Savaljevic a essayé d'y aller tout seul. La bonne solution et la parade de Robin face à Parisini. On va le revoir, superbe ralenti. Et superbe parade de Michael Robin qui aura fait le taf hein, entre son entrée en fin de première mi-temps. Et maintenant, 6 sur 17, c'est tout à fait honnête.
peu moins clinquant que le voisin d'en face, Carnot Tabaran, qui fait lui un grand match. Mais avec ce pourcentage-là, on n'en serait peut-être pas là côté. Si on avait ce pourcentage-là d'arrêt de gardien depuis le début du match, on n'en serait peut-être pas là. Sissoko qui est parti de loin pour essayer de se donner un peu de vitesse. Ça ne passe pas. Il allait se heurter au pivot italien Parisini. Sissoko là même, face au même Parisini. Même cause, même conséquence. On est toujours à l'arrêt. Et le temps qui tourne, le temps qui tourne. Sissoko, Ferrandier, Sissoko, un petit peu arrêté qui s'arrache. Ouais, qui a pris un bras dans le visage. Sur son dernier appui. Ouais, il y a 2 minutes contre Petersen. Allez, Créteil qui est à moins 5 avec un jet de 7 mètres à suivre et 2 minutes de supériorité numérique. Si c'est pas le moment, eh ben je ne sais pas. C'est maintenant en tout cas que tout se joue probablement pour les Cristoliens. Ferrandier déjà face à Clément Godin pour le jet de 7 mètres et pour revenir à moins 4 et s'offrir le droit d'y croire. La première partie du taf est faite. Transformer ce jet de 7 mètres, revenir à moins 4, 22-18. À plus 8 pour mémoire à la pause pour Istres, plus 4 désormais, il reste 7 minutes tout rond, mais la balle dans les mains des Cristoliens qui sont en infériorité numérique, qui ont choisi d'attaquer à 6 et donc en cage vide, qui vont évidemment prendre leur temps sur cette possession avec Crépin toujours, Sivaljevic toujours aussi. Voici le Monténégrin qui s'arrache. Et la défense sanctionnée de Valentin Hamann. C'est un peu surpris qu'il en discute. Et en l'absence de Petersen et de Nielsen, surtout qui est le préposé habituel au tir au but, c'est le Monténégrin, Vasco Sevaljevic, qui va s'en charger. Posé hein, du côté d'Istres après avoir beaucoup bourlingué face à Soyer qui est rentré. Sevaljevic qui fait le taf, qui s'est un petit peu posé hein, après avoir passé par son pays natal, évidemment le Monténégro, l'Espagne, la Biélorussie, l'Allemagne, arrive à Toulouse il y a 5 ans, passé par Tremblay également, qui joue sa deuxième saison à Istres. Allez, plus 5 à nouveau pour Istres. De l'oxygène qui fait du bien aux sudistes, qui n'ont jamais été vraiment sous pression, hein, même si par deux fois Créteil est revenu à moins 4, à chaque fois un temps mort de poser, ou une bonne défense derrière, ou une réalisation en attaque, on redonnait de l'air. Allez, il faut jouer vite, plus de temps à perdre évidemment côté Créteil, le tout pour le tout maintenant, avec le bon bras là et l'énergie, le tir à la hanche, pas mal fait ça. Pas mal du tout. Est-ce que ça suffira, Jonas Poignant, dans une position un petit peu inhabituelle là, mais efficace aussi. Et Istres qui va jouer un petit peu le temps, évidemment. Toujours, qui sera pas beaucoup sorti hein. Je me demande s'il a pas joué les 60 minutes, même si ce ballon là est perdu. Le jeu rapide, très rapide du coup, et le droit d'y croire peut-être pour Créteil, pour nous offrir une fin de match un peu folle. Valentin Hamann qui était parti très très vite aux avant-postes, malgré son poste de pivot, c'est pas toujours les premiers devant les pivots, il était là, il était au rendez-vous, l'ancien Célestadien, pour ramener son équipe à moins 3 écart minimum. Et si Créteil venait nous faire un incroyable comeback. Allez, ça nous promet en tout cas 5 dernières minutes de feu. Il va falloir avoir les nerfs solides de part et d'autre, parce que Istres n'a jamais été autant sous pression que dans ces dernières minutes. La solution peut-être, Sevaljevic arrêté. Et de Monténégrin qui combine. Un tir important qui finit au fond, c'est peut-être décisif cette réalisation de Risto Vujačić, qui ramène à nouveau l'écart à plus 4. Peut-être que celui-là vaudra très très cher au moment du décompte final. Parce qu'on va attaquer les 4 dernières minutes. Il va falloir un sans faute maintenant et une nouvelle parade de Tabaran. Mais le coup de sifflet va rendre la balle
à l'attaque. C'est Ferrandi une nouvelle fois hein, qui s'était arraché. Il aura mis quasiment tout ce qu'il pouvait faire cet après-midi. Antoine Ferrandier, toute son énergie pour adoucir la note. Mais c'est vrai que son taux de réussite, il a été moins en réussite hein, en deuxième mi-temps. 9 sur 15 maintenant, même si ça reste tout à fait correct. Sissoko, Ferrandier à nouveau pour servir Sissoko. Il y a l'espace qui s'est créé pour enfin parvenir à tromper. Tout le travail est fait là hein, pour libérer de l'espace. Pour le bras droit de Sissoko qui parvient enfin à tromper Tabaran. C'est le premier but, hein. C'est le premier but de Boyba Sissoko. Un joueur si important dans le dispositif, dans l'énergie de cette équipe de Créteil. Mais qui n'en est qu'à son premier but. Ça en dit long hein, sur les difficultés qu'a rencontré cette équipe cet après-midi. Et ça fait moins 3, un but qui compte là aussi à 3:30 de la fin. Allez, il manque pas grand-chose à cette équipe d'Istre pour mettre la main sur ce match. Un dernier but peut-être, un ou deux buts pour asseoir définitivement cette victoire. Mais Créteil défend haut, vous le voyez, pour essayer d'y croire. La parade de Robin, mais il y a eu un coup de sifflet juste avant. On va s'en excuser, hein, parce que c'est Valievitch qui a un petit peu allumé le portier. Mais du coup, ce sera un jet de 7 mètres et probablement une balle de match. Probablement une balle de match pour le Monténégrin qui va se faire justice lui-même. Parce que c'est Valievitch à 3 minutes de la fin face à Michael Robin. Et qui marque pour redonner encore une grosse bouffée d'oxygène aux Istréens qui ont probablement fait le plus dur. En gérant cette avance malgré les tentatives, hein, Créteil n'aura pas abdiqué dans ce match. Ils ont grignoté doucement, mais trop doucement leur retard. Les Cristoniens, ils partaient de trop loin. Cette première mi-temps ratée va leur coûter très cher, trop cher. Ouais, la défense évidemment sanctionnée, là, d'Hichem Daoud. Il va prendre 2 minutes, hein. Istres va terminer à 5 hein, en infériorité numérique. Qui conteste parce qu'il sait aussi que c'est important, que c'est pas complètement fini, même s'il a 2:30, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle, mais en supériorité numérique, pourquoi pas. On a envie d'y croire côté Créteil, mais ça va être très compliqué. Ouais, si il est en zone, ça va pas le faire. Hein. On va faire sortir tout le monde, voilà. Allez, il faut marquer vite, très vite pour Tabaran. Même s'il a une nouvelle fois. Ouh, et 2 minutes là aussi. Ah, on va défendre à 4 côté Istres. Parisien est sanctionné à son tour. Et ben là sur le banc on se dit heureusement qu'il y a de la marge, heureusement qu'il y a plus 4 et pas plus 2, parce que là sinon ça nous aurait fait une fin de match complètement folle. Et on n'aura plus que 4 violets sur le terrain plus le gardien. Mais quel gardien, Arnaud Tabaran, qui a fait un gros match ce soir face à Ferrandier à nouveau. Et quasi sans faute pour le buteur de Créteil. Ça risque de ne pas suffire. Son 10e but de la soirée. 10 buts pour lui ce soir. Le presse tout terrain des Cristoliens. Ah, qui est sanctionné, dommage. Il avait récupéré, pensé chipper ce ballon à la régulière, Lucas Ferrandier. La balle va rester violette et ça va faire du bien. Même si le chrono est arrêté. Allez, un petit coup de Serpieros et on va conclure les deux dernières minutes de ce match. Créteil est revenu à moins 3, les Cristoniens qui étaient menés 15-7, hein, qui étaient menés de 8 buts à la pause, mais cette première mi-temps complètement ratée va leur coûter beaucoup trop cher et on va dire qu'ils se consoleront en disant qu'ils ont remporté la deuxième mi-temps, mais ça ne suffira évidemment pas à les consoler. C'est Istres qui va réaliser le gros coup de ce match. En venant s'imposer dans cette rencontre entre concurrents directs. Si on veut jouer vite, ah trop vite, ah, ça c'est vraiment à l'image du match des Cristoliens cet après-midi. Hein. Cette possession à 6 contre 4, complètement vendangée. Et Istres qui fait tranquillement tourner, Parisini va sortir, Guillaume Crépin va continuer de garder la balle. Et la balle va rester violette, on va en rester là à 1 minute 30 de la fin.
Istres va réaliser un très bon coup et corriger sa défaite à Nîmes, même si perdre à Nîmes, ça n'a rien d'infamant, une défaite à Nîmes mercredi. Mais une victoire cet après-midi en terre parisienne. Et le ballon chippé, mais alors ça c'est vraiment ces deux dernières possessions cristoliennes, pardon, c'est une catastrophe, hein, sans vouloir être méchant. Quand on rate autant en attaque, et ben difficile d'espérer quelque chose dans un match. Il y aura des regrets, hein. Il y aura beaucoup de regrets côté Créteil sur cette première mi-temps où on est parti trop loin du coup en étant à moins 8. Et puis même dans cette deuxième mi-temps, beaucoup de ballons perdus, de balles faciles. Alors il y aura un dernier temps mort, mais en 50 secondes, on ne va pas pouvoir beaucoup inverser la tendance. Et les mines un petit peu défaites, hein, vous le voyez côté Créteil. Parce qu'on avait coché de partout ce match, même si il était particulier pour les Cristoliens qui n'avaient pas joué eux depuis plus de 4 semaines. Ils sont privés, on le rappelle, hein, quand même de plusieurs joueurs et pas des moindres. Il fallait faire un gros match et il y aura des regrets parce que le gros match il n'y a pas eu. Et du coup, au classement, ça va faire un petit peu mal parce que de voir un concurrent direct venir s'imposer ici ce soir, cet après-midi plutôt, hein, on aurait un petit peu tôt pour du handball habituellement. Allez, les 50 dernières secondes de cette partie pour sceller la victoire des Istriens qui vont venir chercher un quatrième point à l'extérieur, hein, 4 points en 4 matchs à l'extérieur. Ça, c'est plutôt du bon bilan. On va réussir maintenant à faire la même chose presque à domicile. Ça a été plus compliqué, hein, où les Istriens se sont inclinés contre Aix, 27-21. Une victoire contre Tremblay, c'était lors de la toute première journée de ce championnat un peu particulier. Guillaume Crépin qui va tout seul. Et ben, c'est mérité peut-être que ce soit lui qui clôture peut-être le score de cette partie. Lui qui aura fait preuve de beaucoup d'activité. Véritable dynamiteur ce soir, hein, cet après-midi du jeu istréen. Signe un joli 7 sur 8 au tir. Ça ne sera pas le dernier but de la partie, mais c'est pas grave. Ouais, 7 sur 8, gros match. Hein, gros match aussi de l'istréen. Du monde qui aura performé, notamment. Évidemment, on est à 72% au tir, hein, 26 sur 36. Grosse efficacité en attaque. Du côté des sudistes, créé par à nouveau, bah décidément. Et voilà, si quasiment au buzzer, la rage du demi-centre istréen qui marque donc au buzzer et qui scelle le score de cette partie. Istres s'impose 27 à 23. Les Cristoliens auront réussi à refaire la moitié de leur retard, mais en partant de 15-7, de 8 buts de retard à la pause, c'était mission impossible. Cristolien remporte la deuxième mi-temps, mais ça ne suffit pas. Et c'est Istres qui vient chercher une victoire très très importante chez un concurrent direct, donc pour le maintien. Istres qui aura pu compter sur ses cadres, hein, qui auront fait le boulot. Cet après-midi, restez avec nous encore, on va rapidement avoir une réaction de chaque côté. Et puis vous donner rendez-vous déjà d'ores et déjà pour la prochaine journée de Lidl Star League, la J9, ce sera dès le week-end prochain. Tous les matchs évidemment toujours diffusés soit sur LNH TV, soit sur Beansport. N'oubliez pas la Coupe d'Europe également, hein, pour les clubs français cette semaine. Paris en Ligue des Champions du côté de Porto. Et puis on va enfin jouer aussi pour les clubs en European League. Et vous le voyez, hein, les mines un petit peu défaites, les têtes basses, les mains sur les hanches côté Créteil. Mais les cadres auront pêché, hein, par Antoine Ferrandier qui était à 10 sur 16, enfin, dont 6 sur 7 au pénalty notamment, hein, mais Boyba Sissoko notamment, 1 sur 3 seulement au shoot, c'est évidemment compliqué. Les pivots, Jonas Poignon n'a pas tiré, Valentin Amann est à 4 sur 4, hein, c'est un joli 100%, mais ça ne fait entre guillemets que 4 buts. Robin Molinier qu'on n'a pas vu en deuxième mi-temps, ça c'est étonnant par contre, peut-être petit pépin physique, son entrée en fin de première mi-temps avait fait du bien. Il est à 3 sur 3, mais Créteil aura shooté finalement à 23 sur 40, c'est un peu c'est léger, hein, pour espérer s'imposer. Et puis surtout, il y a eu un grand Arnaud Tabaran dans les buts d'Istres, 10 parades pour lui, une pour Clément Godin sur un pénalty, même si son pourcentage a un peu baissé à Arnaud Tabaran en deuxième mi-temps, ça fait quand même un joli 35%, 10 arrêts, ça vous soulage une défense.
Michael Robin qui était rentré en fin de première mi-temps côté Créteil. Finit lui à 6 arrêts sur 21 tirs, 28%. C'est plutôt joli, mais comme dit, les dégâts étaient faits étaient faits à la pause, pardon. Ou comme dit, ces 8 buts d'avance pris par Istres ont scellé le destin du match. Istres s'impose donc ici à Créteil cet après-midi, 27-23. Les réactions dans un petit instant, et puis on pourra enchaîner. Hein. Vous pouvez aller voir la fin du dernier match de cette journée sur Bein, juste à côté. Ça a démarré à 17h du côté du match de Chambéry. Et puis, je donne rendez-vous aussi hein, sur les réseaux sociaux du club de Créteil, notamment, qui a mis en place une espèce de débriefing avec les joueurs des deux équipes. Hein, promis, ce ne sera pas que du Créteil. Vous pouvez aller voir joueurs et entraîneurs aussi, d'autres réactions et un petit débrief, comme dit, sur le Facebook du club cristolien. Réaction dans un instant au micro de nos équipes sur place. Et puis on peut rappeler aussi les matchs des deux équipes le week-end prochain. Il y aura quelques jours pour panser les plaies côté Créteil. Match, il faut que je retrouve mon petit papier, hein, parce que c'est à Toulouse si je ne dis pas de sottises. Toulouse-Créteil, tout à fait, ça sera vendredi. Et Créteil qui recevra Paris. En plus, derrière, les prochains matchs s'annoncent un petit peu compliqué. Les Istriens, eux, reçoivent Chambéry le week-end prochain avant d'enchaîner un déplacement à Toulouse et d'aller eux-mêmes aussi à Paris. Allez, la parole aux acteurs de cette rencontre. On est avec Guillaume Crépin, me semble-t-il. Parce qu'on a des tirs, qu'on doit absolument mettre à 6 mètres et on aurait pu vraiment tuer le match avant. Mais on avait besoin de se rassurer. Le dernier match qu'on a gagné, c'était on a pris un point à Limoges il y a 5 semaines. Je ne sais plus, même plus la victoire qu'on a eue. Donc là, on avait vraiment besoin, quelle que soit la qualité de jeu, il fallait absolument gagner. Là, il est essentiel. Mais on a surtout aussi très bien joué en première mi-temps. On avait bien travaillé sur leurs différentes défenses. Donc voilà, tout le monde s'est investi, que ce soit à la vidéo, aux entraînements. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que maintenant, il faut être constant. Dernière question. Du coup, après Nîmes, c'était important du coup pour vous, la victoire ce soir. C'était vraiment important. Ouais, c'est clair que c'était important parce que faut voir après le classement. On avait 4 points. Là, on a 6. Donc là, on va dire qu'on se laisse un petit joker. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on reçoit Chambéry. On va voir ce que ça va donner ce week-end. On va y aller. On va recevoir Chambéry pour gagner. On sait que c'est pas évident pour beaucoup d'équipes où c'est vachement entrecoupé. Nous, là, on a vraiment repris du rythme. Voilà, on s'est remis un peu en question après Nîmes. Après aussi, peut-être que j'ai un peu trop abusé dans mes discours. Mais bon, à un moment, il faut aussi bouger tout le monde parce que... Enfin, c'est aussi mon rôle, donc aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait et on a très bien travaillé, et bravo. Ouais, Guillaume Crépin, joli symbole de cette équipe istrienne victorieuse cet après-midi, lui qui a emmené son équipe à 8 sur 9 au tir, un quasi sans faute. Et puis de le rappeler, hein, c'est surtout aussi la deuxième victoire après celle de la première journée. Ça faisait un petit bout de temps qu'Istres n'avait pas gagné depuis le match de la première journée contre Tremblay à domicile, victoire 29-24. Donc une deuxième victoire istrienne. On va essayer d'avoir une réaction du côté de Créteil, mais évidemment les mines me paraissent un peu défaites et déconfites. On a un petit peu de temps pour aller chercher un joueur ou le coach, on va voir ça. Mais c'est que les Istriens, comme ils le disaient, ont retrouvé du rythme aussi. Hein. C'est vrai que peut-être d'avoir joué ce match à Nîmes mercredi, joué deux fois dans la semaine, les joueurs sont pas toujours fans, mais en même temps ça remet du rythme là où Créteil, comme dit, n'a pas joué depuis plus de 4 semaines. Voilà peut-être aussi une des raisons, une des explications de la bonne du tonus, entre guillemets, de l'énergie qu'il y avait dans cette première mi-temps. Et Sissoko, me semble-t-il, tout en bas de l'écran, là à droite, en direct et en interview avec nos équipes sur place. Comment expliquer ça? Bonsoir déjà. Il n'y a pas d'explication. Enfin, nous-mêmes, je pense qu'on est assez surpris de ce qui s'est passé en première mi-temps. Voilà, on n'a pas réussi à développer notre plan de jeu. Et même sans parler handball, dans l'engagement, l'intensité, ils ont été 10 fois supérieurs à nous. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Nous, on a eu quand même aussi pas mal d'échecs quand on avait des solutions en attaque. Donc eux, ils ont creusé l'écart, ils ont été très efficaces. Après, voilà, en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux, j'ai envie de dire. Voilà, il a manqué 2-3 choses pour qu'on puisse les embêter encore un peu plus. Donc voilà, leur victoire, elle est méritée. Et j'espère que voilà, la semaine prochaine, il y a un match et il faudra aller le chercher, quoi. C'est sur ça que j'allais rebondir. Donc vendredi, vous jouez à Toulouse. Il va falloir se reconcentrer et produire un meilleur jeu, surtout en première mi-temps, quoi. Bien sûr, bien sûr.
bien sûr. Voilà, maintenant le match il est fait, on a perdu, faut vite passer à autre chose. C'est vrai qu'on a un déplacement à Toulouse et voilà, on sait qu'on peut aller gagner là-bas. Maintenant, à nous de faire une bonne semaine de travail, d'entraînement. Et voilà, en arrivant au match à Toulouse hein, avec un meilleur début de partie, j'ai envie de dire. Et voilà, mettre tous les ingrédients nécessaires pour gagner un match de handball. Voilà pour la réaction du capitaine cristolien Boyba Sissoko qui incarne un petit peu hein, l'inefficacité de son équipe hein, sur 3 au shoot pour lui notamment ce soir. Il faudra réagir comme il le disait du côté de Toulouse. Ça sera dès vendredi mais il faudra effectivement ne pas rater le début de match comme ce soir hein, où les 8 buts d'écart à la pause avaient un petit peu tué tous les espoirs de Créteil. Istres s'impose donc cet après-midi ici en région parisienne 27-23. Et bien on a été ravis de passer cet après-midi avec vous. La suite si vous voulez d'autres réactions sur le Facebook comme dit de l'US Créteil ou la fin du dernier match de cette J8 sur Bein. On se retrouve nous le week-end prochain pour la nouvelle journée de Lidl Star League. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut. Au cœur du handball français avec Lidl.